Salut CM2, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les valeurs du passé simple de l'indicatif. Comme d'habitude, écris tout d'abord le titre de la nouvelle leçon. Tu sais déjà que la valeur d'un temps verbal est l'utilité de ce temps, c'est-à-dire pourquoi je l'emploie. Qu'est-ce qu'il exprime au juste? Commençons par la première phrase. À cet instant, le jeune homme prit la fuite dans l'espoir de retrouver ses compagnons. Encadrons tout d'abord le verbe conjugué. Pris, c'est le verbe prendre conjugué au passé simple de l'indicatif. Dans cette phrase, le passé simple exprime une action ponctuelle. C'est-à-dire que c'est une action qui est très rapide et brève. Elle commence et se termine au même moment. On l'appelle donc ponctuelle parce que sa durée est très courte, comme un point, comme un instant. On retrouve parfois des indices qui nous montrent qu'elle est ponctuelle, comme dans cette phrase, le connecteur, à cet instant. On l'appelle un connecteur d'instantanéité. Donc, la première valeur à découvrir est la suivante. Le passé simple exprime une action ponctuelle. À ce moment, à ces mots, à l'instant même, ce jour-là, c'est alors que sont tous des connecteurs d'instantanéité. On peut les retrouver dans des phrases où le passé simple exprime une action ponctuelle. Passons à la deuxième valeur. Soudain, il entendit le trot d'un cheval s'approcher de lui. Encadrons le verbe conjugué au passé simple. Entendit. Dans cette phrase, on remarque le mot « soudain », c'est un connecteur de « soudaineté ». Donc, c'est une action soudaine. Ici, la valeur du passé simple, c'est qu'il exprime une action soudaine. On peut aussi retrouver d'autres connecteurs, comme « tout à coup »,« soudainement », « brusquement ». Tous m'indiquent qu'il s'agit d'une action soudaine. Passons à la dernière valeur. Il se cacha rapidement derrière un grand rocher, enleva son chapeau de paille et le posa par terre en retenant sa respiration. Dans cette phrase, on découvre trois verbes conjugués. Se cacha, enleva, posa. Ces trois verbes sont conjugués au passé simple de l'indicatif. Dans cette phrase, on dit que le passé simple exprime des actions successives, donc des actions rapides qui se suivent. À présent, tâche de compléter la synthèse. Les trois valeurs du passé simple sont une action ponctuelle, des actions successives, une action soudaine. À toi de jouer maintenant. Tu as certainement reconnu Tintin. Inspire-toi de ces deux illustrations pour rédiger trois phrases. Conjugue les verbes au passé simple de l'indicatif en variant ses valeurs. Pour réussir ta tâche, emploie un connecteur d'instantanéité dans la première phrase, un connecteur de soudaineté dans la deuxième, et fais faire à ton personnage
plusieurs actions rapides, brèves et successives dans la troisième phrase. Fais cet exercice au crayon à mine. Je te propose à l'appui un petit exemple. À l'instant même, Tintin s'assied pour lire la lettre oubliée sur la table. Dans cette phrase, le verbe conjugué au passé simple de l'indicatif est « s'assied ». Le connecteur que j'ai employé est « à l'instant même ». Donc, je pense que vous avez deviné que la valeur du passé simple dans cette phrase est qu'il exprime une action ponctuelle. À l'instant même, Tintin s'assied. C'est une action rapide. Tout à coup, il découvrit qu'il s'agissait de la victime. Le verbe conjugué au passé simple de l'indicatif est « découvrir ». Le connecteur de soudaineté est « tout à coup » et le passé simple dans cette phrase exprime une action soudaine. Il porta vite son béret, ouvrit la porte brutalement et courut avertir son ami. Dans cette phrase, je repère trois verbes. Porta, ouvrit, courut. Ce sont trois actions successives. Donc, le passé simple exprime des actions successives. À toi maintenant de t'entraîner. À bientôt!